Salut à tous, c'est Bice en cadre aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite. Deux joueurs ont réussi à tuer des clombos avec une arme spéciale, vous allez le voir. Normalement, c'est impossible de les tuer. Samedi, grosse annonce, on fera un gros live 12h, midi minuit, on essaiera de faire des parties perso, 100 joueurs qui spawnent à Tilted, et on essaiera rapidement 100 joueurs contre un clombo. Voir si c'est possible de lui infliger assez de dégâts pour le coucher. Je sais pas si c'est possible en partie perso ou alors avec nos armes. Là, vous allez voir qu'avec une arme de développeur, deux joueurs, des liqueurs, ont réussi à tuer le clombo. Je vous mets du coup le premier clip juste ici, et on se retrouve après. Donc du coup, pour ceux qui comprennent pas, on a un joueur qui prend une arme d'un développeur, il avance, il tire sur le clombo. Je vous mets ici un petit zoom, hein, plus de 8000 de dégâts, la balle de l'arme cheatée. Et tout doucement, on voit le clombo qui s'abaisse, il y a une petite animation au niveau de ses yeux, hein, on voit légèrement ses yeux se fermer. Et ensuite, il disparaît, le corps n'est plus disponible. Je pense que Fortnite n'avait pas prévu que les joueurs tuent les clombos, du coup on n'a pas vraiment d'animation pour quand il est mort. Et il disparaît tout bêtement. Ensuite, on a un deuxième clip que je peux vous montrer ici. Là du coup c'est le premier liqueur, du coup c'est PQ, qui a donné l'arme à un youtubeur pour que lui aussi à son tour il aille tuer le clombo. Donc je vous mets le clip et on se retrouve juste après. Since Colombo have no death animation in the files, he will just disappear after a few seconds from shooting. Donc là du coup on a un peu la même chose, le joueur récupère le pompe cheaté des développeurs, il avance vers le clombo, il lui met une balle 9375 de dégâts, ce qui est abusé, et ensuite la même chose, les yeux du clombo se ferment et il disparaît. Donc comme je vous l'ai dit, on essaiera samedi, je pense dans l'après-midi, faire des parties perso, spawn à Tilted, on essaiera aussi du coup de faire un gros spawn à 100 sur un clombo et de lui infliger un maximum de dégâts. Alors je vous le dis, je suis pas sûr qu'on pourra le tuer. Mais au moins voir ce qui se passe, si on le fait tourner en rond, ça peut être fun. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre samedi sur le live de 12h, midi minuit, et je pense qu'il y aura un peu de rab après minuit. Ensuite, pour finir, alors on parle du clombo dans la vidéo, je voulais vous montrer un concept que j'ai trouvé sur Twitter qui est vachement stylé. C'est des animaux de compagnie, donc des sacs à dos, comme on a déjà eu dans les passes de combat et sur le Battle Royale. Mais cette fois-ci, des bébés clombos qui seraient attachés dans notre dos. Donc il a fait 4 variantes différentes, 2 tout nus entre guillemets et 2 qui sont déguisés en qui ont un petit déguisement de clombé. Franchement je les trouve trop stylés. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces concepts et si vous voulez qu'un jour ils arrivent sur le Battle Royale. Et voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que les clips vous ont plu, c'est à mon avis la seule fois où vous pourrez voir un joueur tuer un clombo, à part si on arrive à le faire samedi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir si c'est possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent avec le code BICE100K dans la boutique, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description. Il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site Astro Gaming. Donc soit un des derniers jeux qui vient de sortir, soit des cartes PSN, cartes Xbox, Nintendo, c'est vous qui choisissez selon la plateforme et ce que vous voulez. Donc profitez-en, les liens sont dans la description. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.